Le soir Tarchaud. Le soir Tarchaud. Dès 19h avec Axel, Seb et leurs chroniqueurs. Le soir Tarchaud sur TSO Radio. De retour sur TSO. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bonsoir. On est en forme, hein. On est en forme pour un lundi. Pour un lundi matin, je veux dire. Pour un lundi soir. Retrouvez-nous tous les matins. 6h-9h, retrouvez-nous tous les soirs. Juste avant minuit. Est-ce que vous savez que la semaine dernière, c'était les 100 ans de la radio? Non. Si, je le savais, moi. C'était les 100 ans. Alors, on n'a même pas fêté ça. Non, mais alors, j'ai trouvé un moyen de le fêter pour les 15 jours à suivre. Du coup, mais c'est vrai que tous les animateurs assez connus mettaient des photos d'eux il y a 20 ans quand ils ont commencé la radio. Mais comme nous, on a commencé il y a 20 jours, forcément, on n'a pas de photos. Donc voilà. T'es sûr de ça? Je vais faire quelques recherches sur Facebook pendant l'émission. On a commencé l'année dernière, donc. Non, mais même avant TSO Radio. Si, il y a des photos de nous avant. Bah, notre première en tant qu'animateur ou. Bah, la vraie première, je crois que c'était l'émission avec le Covid. C'est génial. Avec le mec, avec le docteur Tréhou, le malade, tout ça. Voilà. Merci à toi de. Du coup, j'ai quelque chose à proposer pour fêter la radio une semaine après, parce que nous, on est toujours à la bourre. Mais avant ça, on va faire le jeu de la patate chaude. Alors, le jeu de la patate chaude, il faut combler déjà pendant que le micro-ondes chauffe les patates. Nous allons se faire tourner des patates chaudes. Alors, je rappelle qu'il faut serrer, hein, sinon c'est pas drôle, et absolument répondre à la question le plus rapidement possible, sinon on se trame les mains. La question que je vais poser, que je viens de trouver juste avant. Alors, 150 questions indiscrètes. Ça, c'est... On va parler amitié pendant ce patate chaude. L'amitié. Est-ce qu'on a des patates déjà? Ah putain, me les amène. On a des patates. Pas de torchon. Patates. Putain, mais comment je fais? Les patates sont cuites. Bon, bah écoutez, on va. Quel est le plus beau cadeau que tes amis t'aient offert? Sébastien, commence. Un maillot Miss Termine. Moi, le plus beau cadeau, c'est mes amis. Oh. On serre normalement, on serre. J'ai pas envie de serrer, c'est trop chaud. Un goin de Michel. D'ailleurs, il est là. Non, je crois que j'ai des amis radars en fait. des AirPods. Oh, c'est bien. Oh, le mec il se plaint quoi. Hop. Je sais pas, la Switch. Ah bah putain, mais c'est des bons cadeaux hein. Bah oui, merde. On va changer d'avis. Une boîte de capote hein. Attends, on va changer de question. T'as des patates alors. As-tu déjà embrassé une amie sur la bouche? C'est quoi cette question? Oui. Oh oui. Non mais cette question un peu ridicule, tout le monde va dire oui. Ouais. Direct, non. T'as jamais embrassé quelqu'un? Non. Mais t'en rappelles pas hein. Non. J'ai oublié la question. Bah oui, du coup, oui, j'ai répondu hein. Quelle est la pire chose que puisse te faire un ami? La pire chose qu'un ami t'a déjà fait? Oh. La pire crasse qu'un pote t'a déjà fait? Piquer ma meuf. Ça fait pas. C'est vrai? Non mais c'est vrai. C'est vrai. Oh l'enculé. J'ai trop des bons potes en fait. Ah bon? On se fait pas de crasse entre potes. Ah bon? Il se nettoie. Pire crasse. T'aimes bien dans les boules dans le nom? Ouais, moi j'aime bien ça. Raconter un secret que j'ai raconté. j'ai une bonne question après. Merci beaucoup. Non mais quand on a des bons potes, on a pas de crasse, ou pas de truc. Le mieux c'est de pas avoir d'amis. Alors, on t'écoute Kevin. Bah en fait j'avais besoin d'un service, c'était par rapport à ma mère, elle avait besoin d'aide et puis en fait mon pote qui devait m'accompagner m'a abandonné au dernier. Attends, j'ai remonté ton micro, je pensais pas que l'histoire allait être longue. vas-y. Ça me brûle. En fait j'avais besoin d'un service pour aider ma mère et puis en fait il m'a abandonné au dernier moment alors que j'en avais vraiment besoin. Bon, bienvenue, je t'entends dans le casque, bienvenue. Bien entendu. Ouais. Je ne sais plus, j'ai encore oublié la question. Question suivante. Elles sont plus chaudes. La patate n'est plus chaude. On peut avoir des patates chaudes. On en a d'autres. La pire crasse, franchement. Fallait pas le dire, fallait faire style que c'est chaud. Ah, oh non, moi je ne truc pas, moi je suis comme. Mais bébé! Je suis comme Cyril Hanouna, moi je dis tout ce qui se passe. Ah! Oh, celle-là! What did you do? Oh! Putain, mais les côtes, tu sais. Oui, bah. Aïe, 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 aïe! Question suivante. Allez, on peut faire ça. question. Hey, cite une personne de ta famille que tu n'aimes pas. Oh putain.
Mon cousin Germain. ma tante, je m'en fous, j'en ai pas. Mon père. Mon cousin Léon, que je connais pas. Le père de mon demi-frère. Ah, lui, il a dit vrai, mon grand-père. Tiens. C'est quoi la question? Si t'es une personne... Oh, mais là, ah oui. Ouais. Décris-toi en tant que futur papa. Tu serais comment si t'étais un futur papa? Papa poule. Ouais. Coq. Comme je suis. Papa. Avec une bite. Maman déjantée, je pense. Ouais, je pense aussi. Si je suis encore maman, désespérée, je pense. Je me tire une balle. Je me prends. Aimant, papa aimant, hein, puis voilà. Jamais la vie. Là, t'as toujours tout le monde qui dit un truc gentil, puis il est. Ouais, la vie, non. Bah, moi, je serais un père absent, voilà. Bah, c'est actuel, non? Bah, c'est le cas. Alors, si ta copine te trompe, tu préfères qu'elle te l'avoue? Bah, ouais, c'est mieux, je pense. Hein. Non, redonne la patate. Comment tu réagirais si ta copine te trompait? Ça dépend des circonstances. Non, elle te trompe lâchement devant toi dans un spa. Devant toi dans un spa. Je la noie. C'était quoi la vidéo? Je profite du spa après. Comment tu réagirais si ton concubin du moment te trompe? Il va avoir la misère de sa vie. Ça t'est déjà arrivé de te faire tromper? Oui. Bon, ok, allez, on en parle dans une future émission. Hein. Y a un jeu de la thérapie ou pas après? Non mais vous avez pas l'image. Mais la pauvre Laura qui se passe. Je suis en train de chercher. Qu'est-ce que je dise? Un partout, allez, on sort d'en parlant. Non bah écoute, fais-toi plaisir hein. Voilà. Bah écoute, casse-toi, pétasse. J'en sais rien du tout. Bah, c'est vrai que t'es peu concerné par les questions. Et ben, je lui avouerai les miennes hein, de tromperie. Voilà, bah c'est tout, on va arrêter pour le jeu. Bah, elles sont plus chaudes, mais c'est des patates. Mais serre-les bien dans tes mains, tu vois, elles sont plus chaudes. Attends, je les mets à ma vie. Non, je les pose. C'est pas comme ça que ça chauffe, ça marche pas comme attends, ça. Attends, mets les 4 dans tes mains, on va voir si elles sont plus allez, chaudes. Allez, je mets les 4 dans mes mains. Ça équivaut mes 2. Non, ça va. Reste un peu, ouais. Donnez-moi du fromage à raclette, on va voir. Allez, raclette partie, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va faire après dans l'émission? On va faire un appel débile. Et je rappelle à toutes et tous que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Ah bah oui, quand même. Parce qu'on met toutes nos vidéos, toutes nos conneries, tous nos délires. Alors parfois c'est bien, parfois c'est moins bien. Hein. Mmh. Alors, TikTok aussi. TikTok, Facebook. Alors étonnamment, parce que nous on l'a pas vécu de la même façon, mais la vidéo qui a le plus marché de la première semaine de nos 15 jours. C'était le basket. Ah, parce qu'il y a beaucoup de monde du basket qui m'a écouté. Pense, ouais. Il y a eu toutes les nouveautés, les arrivées des nouveaux joueurs. On l'a encore dit la semaine dernière. Ouais, il y a eu pas mal. Ça a pas mal fonctionné. Merci au PAC. On passe un petit message. L'UFG bientôt, du coup, parce que je pense que ça pourrait bien faire aussi. Bah, voilà. On passe un petit coucou avec le Châtelain. Puis, Allez, bonjour à Yves Châtelain. À tous les qui rentrent à l'antenne. Et à tous nos invités qu'on a reçus. Ah, et à tous nos invités. Laurent Denis, il a été génial quand même. C'est quand même le seul invité. On a bien joué aux boules. Voilà, le seul invité qui accepte de rentrer des boules avec une autre personne. Dans une autre personne. Bien sûr, retrouver la vidéo sur YouTube. Oui, celle-là, elle est sur YouTube. Pas comme, parce qu'il nous a quand même parlé de la boule dure et de la boule molle aussi. Il a parlé de la boule dure. Bah, la boule dure, ouais. La boule tendre. Et d'ailleurs, j'ai eu des messages après, ils étaient tous étonnés de voir que tu lui as demandé la différence entre la boule lyonnaise, c'est ça? Ouais. Et ça, apparemment, ça devait être évident. Mais moi, j'ai répondu que je savais pas non plus ce que c'était. Bah, voilà. À part une boule qu'on retrouve à Lyon. Ouais, si je connais pas, j'ai pas boule lyonnaise et pétanque, c'est exactement pareil, non? C'est quoi? Non, mais toi, et c'est quoi en fait? C'est la taille de boule. Ouais, je crois que c'est la taille de boule, ouais. Mais en fait, moi, je suis passé du statut de calot, là, en ce moment, à boule lyonnaise, hein. Que là, je rappelle. Dos d'Axel. Merci beaucoup. On va retrouver l'appel débile dans quelques instants. Je ne vous dis pas ce qu'on y fait parce que je ne sais pas encore. D'accord. Mais on revient tout de suite sur TSO. TSO Radio. La radio de la Thiérache, Sambre-Loise et au-delà.